Bonjour tout le monde. Matin Terbiof présente la série intitulée Suite numérique dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les suites numériques en se basant sur l'exercice proposé dans l'examen national précédemment évoqué. Conseil, afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question. Ici, on doit montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, un est strictement compris entre 1 et 3. Initialisation. On a u0 égale à 2. Or, 2 est supérieur strictement à 1 et 2 inférieur strictement à 3. D'où, u0 est strictement compris entre 1 et 3. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Hérédité. Supposons que un est strictement compris entre 1 et 3 pour un entier naturel n donné et fixé. Et démontrons que un plus 1 est strictement compris entre 1 et 3. On a d'une part un plus 1 moins 1 égale 3 plus un sur 5 moins un moins 1. Ou 3 plus un moins 5 plus un sur 5 moins un. Ou encore, 2 facteur de un moins 1 sur 2 plus, entre parenthèses, 3 moins un. Et d'autre part, 3 moins un plus 1 égale 3 moins 3 plus un sur 5 moins un ou 15 moins 3 un moins 3 moins un sur 5 moins un. Ou encore, 4 facteurs de 3 moins un sur 2 plus, entre parenthèses, 3 moins un. D'après l'hypothèse de récurrence, on a un est strictement compris entre 1 et 3. D'où un moins 1 est strictement supérieur à 0 et 3 moins un est strictement supérieur à 0. D'où 2 facteur de un moins 1 sur 2 plus entre parenthèses 3 moins un est strictement positif et 4 facteur de 3 moins un sur 2 plus entre parenthèses 3 moins un est aussi strictement positif. Donc, un plus 1 moins 1 est strictement positif et 3 moins un plus 1 est strictement positif. Donc, un plus 1 est supérieur strictement à 1 d'une part, et d'autre part, un plus 1 est inférieur strictement à 3. Ce qui fait un plus 1 est strictement compris entre 1 et 3. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n,
UN est strictement compris entre 1 et 3. Solution de la deuxième question. Ici, on doit étudier la monotonie de la suite UN. Pour cela, on doit comparer UN et UN plus 1. On a UN plus 1 moins UN égale 3 plus UN sur 5 moins UN moins UN. Ou 3 plus UN moins 5 UN plus UN carré sur 5 moins UN. Ou encore UN carré moins 4UN plus 3 sur 2 plus entre parenthèses 3 moins UN. Remarquons que UN carré moins 4UN plus 3 égale UN moins 1 facteur de UN moins 3. D'après la question précédente, on a UN est strictement compris entre 1 et 3. Donc, UN moins 1 est strictement positif. Et UN moins 3 est strictement négatif et 3 moins UN est strictement positif. D'où UN carré moins 4UN plus 3 strictement négatif. Et 2 plus entre parenthèses 3 moins UN est strictement positif. Ce qui fait UN plus 1 moins UN est strictement négatif. D'où enfin UN plus 1 est strictement inférieur à UN. On en déduit que la suite UN est strictement décroissante. D'autre part, UN est décroissante et minorée par 1, donc UN est convergente. Solution de la troisième question petit a. Ici, on veut démontrer que la suite Vn est géométrique. On a un plus 1 égale 3 plus un sur 5 moins un et Vn égale un moins 1 sur 3 moins un, donc Vn plus 1 égale un plus 1 moins 1 sur 3 moins un plus 1. Or, un plus 1 moins 1 égale 3 plus un sur 5 moins un moins 1. Ou 3 plus un moins 5 plus un sur 5 moins un. Ou encore 2 facteurs de un moins 1 sur 5 moins un. Et 3 moins un plus 1 égale 3 moins 3 plus un sur 5 moins un. Ou 15 moins 3 un moins 3 moins un sur 5 moins un, ou encore 4 facteurs de 3 moins un sur 5 moins un. Donc, Vn plus 1 égale 2 facteurs de un moins 1 sur 4 facteurs de 3 moins un. Donc, Vn plus 1 égale 1 demi Vn. Or, V0 égale à 1. Il suffit de remplacer U0 par sa valeur. D'où Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi et de premier terme V0 égale 1. Solution de la troisième question petit b. Ici, on veut déterminer un en fonction de n, puis calculer la limite de la suite un. D'après la question précédente, Vn est une suite géométrique. Donc, Vn égale Vp,
multiplié par q puissance n moins p. Pour p égale 0, on obtient Vn égale V0 fois q puissance n. D'où Vn égale 1 demi puissance n. Car V0 égale à 1 et q égale 1 demi. D'autre part, on a Vn égale Un moins 1 sur 3 moins Un. D'où 3Vn moins UnVn égale Un moins 1. D'où Un facteur de Vn plus 1 égale 3Vn plus 1. D'où Un égale 3Vn plus 1 sur Vn plus 1. Or, Vn égale 1 demi puissance n. D'où Un égale 3 fois 1 demi puissance n plus 1 sur 1 demi puissance n plus 1. D'autre part, on a 1 demi est strictement compris entre 0 et 1. D'où limite de 1 demi puissance n égale 0. D'où limite de un égale 1.